Alors pourquoi je soutiens le mouvement Zeitgeist? Parce que, à mon sens, on a enfin trouvé un moyen de relever un défi qui a toujours été rejeté. Ça a été d'essayer de résoudre la totalité des problématiques actuelles dans le monde. Donc ça paraît un peu énorme comme proposition. Mais on en arrive aujourd'hui au stade à se dire que il faut s'atteler à la problématique. Il faut vouloir changer le monde. Parce que c'est devenu vital. Donc le défi, il a été d'élargir la problématique des solutions locales pour essayer de tenter de comprendre les raisons globales qui amenaient ces nécessités d'action qu'on appelle aujourd'hui des alternatives au système. Et elles veulent bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a un système qui est en place et il soulève tellement de problèmes qu'on est obligé de mettre en place des solutions pour y survivre même. Donc le vrai défi, ça a été d'essayer de comprendre pourquoi l'homme, l'humain en général, les sociétés humaines, en étaient arrivées à s'autodétruire quelque part. Donc les solutions locales ont toutes une raison d'être. Elles sont menées généralement par des gens compétents, excellents dans leur domaine. Le gros problème, c'est réellement qu'il ne faut plus attendre des institutions qu'elles changent les choses. Parce qu'en fait, si on prend du recul, on se rend compte que ce sont les institutions qui sont la cause des problèmes. Donc, si on veut changer les institutions, ça fait rentrer dans un certain jeu qui est déjà lui-même complètement aux mains d'une certaine frange de personnes qui le maîtrisent, qui le possèdent. Et attendre des institutions qu'elles changent les choses, c'est une erreur à mon sens. Et il faut en arriver à la conclusion que personne ne le fera à notre place. Donc le mouvement, pour moi, il a essayé de relever ce défi-là, de proposer des solutions globales, qui d'un coup effaceraient la nécessité au quotidien, localement, d'avoir à survivre à un système. Donc si on prend du recul, toujours plus sur les raisons, le phénomène de causalité, on arrive à des perceptions des choses qui sont en fait interreliées, interconnectées, mais c'est tellement vaste, tellement vaste, tellement vaste, que très vite on s'essouffle à essayer de comprendre les interconnexions. Donc il faut essayer de réduire le champ de recherche de ces raisons, et on en arrive à des points communs, très simples, très basiques, qui sont sous notre nez. On les a toujours eus, au quotidien, en face de nous, on n'a jamais vraiment osé chercher à les remettre en question. Et un de ces points de levier pour faire changer les choses, à mon sens, serait de concevoir que depuis, je pense, Babylone, même voire peut-être avant, le système s'appuie sur une notion d'échange. Il faut procéder à un échange pour accéder aux besoins vitaux. Et peut-être que peut-être que cette conception-là est faussée de base. Peut-être qu'il faudrait arriver à axer les problématiques sur une notion de partage. Et on sait que ça marche, puisqu'il y a des cultures qui pratiquent cette notion-là. Il y a des tribus où on n'échange pas quelque chose contre un bout de viande auprès du chasseur qui est allé chercher une proie. Mais la proie est partagée en part égale avec tout le monde. Partager les ressources, partager les moyens. Beaucoup de gens vont s'insurger contre ça en disant c'est impossible, etc. Mais si on prend 5 minutes du recul sur qui dit que c'est impossible, on se rend compte assez vite que ce sont ceux qui possèdent le plus. Et on comprend que c'est un problème peut-être d'éducation, peut-être psychologique, pédagogique en tout cas, de notion de partage. Donc c'est encore même au-delà de la notion de troc, qui reste dans l'échange. Et le troc, c'est ce qui a amené le système monétaire actuel avec la finance internationale, la bourse et toutes les dérives qu'on connaît. Justement, cette dénonciation a trouvé ses limites, par exemple avec le mouvement altermondialiste, quand ils se sont simplement cantonnés en fait à dénoncer des problématiques et à attendre, comme je disais, des institutions, des politiciens, des élus. Ils s'attendaient de ces gens-là, de ces institutions, que ces problèmes soient résolus par ces gens-là. Et mal leur en a pris, puisque du coup le mouvement est mort. Le mouvement altermondialiste est plus ou moins mort-né. Il peine à survivre aujourd'hui à ça. Et en face, on se rend compte d'une accélération justement de ces problématiques, quoi.
la raréfaction des ressources, etc. Le défi que se propose de relever le mouvement Zeitgeist, c'est réellement d'amener des solutions, de ne pas rester simplement dans la dénonciation. En prenant acte du fait que les institutions en place, qu'on peut appeler toute mise ensemble le système, ne nous aidera jamais à réaliser ces solutions. Donc ça implique une façon d'agir et de vivre complètement différemment. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se réfugier dans la solution de se sortir du système. Ça a fonctionné un temps, dans un certain contexte. Et c'est aussi une des choses que se propose de faire le mouvement, c'est-à-dire de prendre fait et cause aussi de ce qui fonctionne dans les alternatives. Mais également de tenter de combler les fossés qui peuvent exister entre les notions, les conceptions idéologiques et les réalités quotidiennes. On ne peut pas s'extraire du moment présent. Donc, refuser par exemple d'admettre qu'on a des moyens techniques qui pourraient nous libérer du travail, par exemple. Et ça n'empêche pas après, effectivement, de se réaliser dans les travaux manuels, dans le rapport à la nature, etc. Mais on constate très vite que l'industrie, la finance, etc., sont des domaines qui nous rendent esclaves, en fait, de ce fonctionnement-là, de production, consommation. On peut y répondre. On peut y répondre. Et le mouvement, justement, il a une réponse à ça. C'est la prise de conscience globale de ce phénomène-là. Qu'on travaille finalement pour profiter à quelques-uns, quoi. Et que ce profit qui leur est destiné, nous nuit, à nous, qui travaillons pour eux. Donc c'est beaucoup plus complexe que la simple dualité, lutte des classes, etc. Parce que si on rentre dans la lutte des classes, de toute façon, c'est toujours une classe qui va en opprimer une autre, hein, que ce soit la prolétaire qui écrase celle des financiers ou l'inverse. C'est des notions aussi qui sont dépassées, quoi, qu'il faut arriver à surpasser. Le mouvement cherche à faire comprendre que c'est juste une notion de pédagogie à mettre en place plutôt que de lutte et de confrontation et d'affrontement. Et ça, c'est quelque chose de positif aussi qui est à mettre en place. C'est de faire comprendre aux gens comment c'est possible de faire autrement, de vivre sans argent, de vivre dans la notion de partage, et puis surtout de vivre pour nos descendants, et surtout pour peut-être être plus en accord avec ce qu'on fait au quotidien, avoir la possibilité de s'épanouir, d'être sur Terre pour autre chose que consommer et produire. Voilà, je pense que le mouvement ne tend pas à remplacer les luttes actuelles. Le mouvement, il tend à mettre en lien ces luttes et à essayer de faire parvenir aux personnes qui luttent et à ceux qui s'en désintéressent les raisons de ces luttes et à démontrer la causalité qui existe et dont on peine à comprendre la complexité. Donc pour ça, voilà, on s'est mis dans la logique de s'organiser internationalement. Et c'est ça qui est fort et qui pousse à soutenir ce mouvement, c'est de se rendre compte que cette prise de conscience, elle est mondiale, elle est globale. Donc le mouvement, il en est à ses tout débuts et on espère vraiment que notre travail, notre petite pierre dans le jeu, portera ses fruits.